Ici, je vous présente l'imagerie en général, donc la lithographie, les albums de lithographie, et l'arrivée dans la presse de l'image. Le lien entre la lithographie et la photographie, je vais vous le faire. Ça remonte bien avant, mais là, j'ai aucun document. C'est Niépce. Niépce, il est connu, hein, qui a en fait été le véritable inventeur de la photographie. Du moins, c'est lui qui a eu l'idée de la photographie. Il y a aussi les petites photos, ce qu'on appelle les photos cartes de visite, hein, les tout petits formats miniatures, qui est un procédé beaucoup moins coûteux à faire. Hein, donc, c'est à la portée de toutes les bourses. Et c'est vendu comme après les cartes postales. Hein, c'est vendu à partir des années 1860, bah, chez les photographes, dans les librairies, dans les magasins de souvenirs. Et les gens les collectionnent, ces petites photos. Et il y a des albums qui sont vendus spécialement pour avec des fenêtres, hein, pour mettre ces petites photos. Pas assez de place en bas, je me suis dit, ben, on pourrait mettre ici aussi la période, mais les photos, donc des années 57, 58, 59. Donc ce sont les photos stéréoscopiques de voyage en Bretagne. Hein.